Bonjour, si tu t'attendais à trouver une petite jeune qui a ou qui va passer le brevet, tu dois être bien surpris. Je dois avoir à peu près l'âge de tes parents, de tes profs. Mais ne pars pas tout de suite. J'ai plein de super conseils à te donner pour réussir ton année de troisième. En effet, j'ai fait l'année dernière une vidéo sur préparer l'oral du brevet qui a cartonné. En tout cas, ça a été ma meilleure vidéo sur ma chaîne. Et grâce à cette vidéo, certains jeunes ont eu 70 sur 100, 92 sur 100 et même 100 sur 100. Donc là, je me suis dit que franchement, vous les jeunes, vous aviez vraiment besoin de conseils pour vous aider à réussir vos études et notamment l'année de troisième. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, j'ai créé un blog et une chaîne YouTube Cap Réussir pour accompagner les parents qui veulent aider leurs enfants à apprendre et réussir. Alors quand j'ai fait la vidéo dont je te parlais sur préparer l'oral du brevet l'année dernière, enfin quand je parle d'année scolaire, hein, et oui je suis prof, donc je suis comme vous les élèves, je parle en année scolaire. Voilà, enfin je suis enseignante spécialisée en école primaire pour les élèves en difficulté. Voilà, pour ce que je fais. J'en étais où? Ah oui, l'oral du brevet. Donc quand j'ai préparé cette vidéo, dans les commentaires, on m'a dit « Mais madame, pourquoi vous adressez aux parents alors que c'est nous qui passons le brevet ?» Donc aujourd'hui, comme cette vidéo concerne les jeunes de 3e, je me suis dit que j'allais la faire directement en m'adressant à toi, jeune qui est ou qui va être en 3e et qui prépare ton année. Mais comme d'habitude, vous les parents qui me découvrez, ou qui me suivez, cette vidéo est aussi complètement faite pour vous, pour accompagner vos enfants à apprendre et réussir. Vous savez que le partage, le plaisir des apprentissages réussis, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, les bases sont posées, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors pourquoi une vidéo sur l'année de 3e? Eh bien parce que je trouve que dans la scolarité d'un jeune, l'année de 3e c'est vraiment une année pas facile. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. C'est l'année du brevet, donc le premier examen. Et même si au final c'est pas si dur que ça, il y en a beaucoup qui disent « Oh non, mais en fait c'est pas dur », je pense qu'une des difficultés c'est déjà de gérer tout ça, de penser à tout ça, de d'organiser son année. Alors, en parcourant un petit peu les blogs et puis surtout les chaînes YouTube, j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes qui donnaient leurs conseils pour réussir le brevet, pour les fiches, etc. Mais moi, j'ai pas trouvé quelque chose de global qui prenait toute l'année de 3e et qui présentait tout ce qu'il y avait à faire en 3e. Alors bon, sûrement que ça vous est présenté au collège, mais là, l'idée, c'était un petit peu de balayer large et de voir ça autrement. Alors, j'ai pris mes petites notes, hein, pour rien oublier. Donc, l'année de 3e, c'est l'année du brevet, on l'a dit. C'est aussi l'année du stage de découverte d'entreprise. C'est aussi des révisions, du coup, tout au long de l'année, dès les vacances de la 4e à la 3e. Ce qui compte aussi, c'est le contrôle continu. Donc, on peut pas tous dire « Ouais, j'y vais tranquille toute l'année, puis je vais y mettre un gros coup en mars-avril. Hein. » Il y a une grosse part des points qui comptent pour une grosse partie des points du contrôle continu qui comptent pour le brevet. Voilà, donc il faut s'organiser et travailler toute l'année. Et puis c'est aussi l'année de l'orientation où il va falloir choisir son année future. Voilà, alors on va reprendre chacun de ces points les uns après les autres. Alors, au niveau du brevet, donc il faut y penser dès le début de l'année, hein, puisqu'il va falloir s'inscrire vers novembre-décembre en général. Donc les inscriptions se font dans les collèges, dans les établissements, donc il n'y a pas de souci. Par contre, premier détail pratique, pensez bien à avoir une carte nationale d'identité en cours de validité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut y penser dès le début de l'année. Ça peut être le moment en début d'année quand on n'a pas trop de choses à faire pour penser à cette carte d'identité. Donc ensuite, il y a l'inscription à l'examen. Ensuite, donc les révisions tout au long de l'année. Je l'ai dit, la partie contrôle continu. Après, il va falloir aussi se préparer à gérer un petit peu son stress. Hein, ce premier examen de ce brevet, ce premier examen que tu vas passer, il peut t'amener beaucoup de stress. Donc, attends pas le jour J ou la veille ou même une semaine avant pour apprendre à gérer ton stress. Je ne vais pas dire c'est trop tard, c'est jamais trop tard, mais ce sera plus compliqué. Donc c'est pareil, si en début d'année, tu as un peu plus le temps, commence à regarder un petit peu, essaye de te rappeler
toi, d'autres situations où tu as été stressé et qu'est-ce qui t'aidait du coup à y faire face? Est-ce que c'est par exemple de la musique, un style de musique? Est-ce que ça va être faire du sport? Est-ce que ça peut être de découvrir la méditation, le yoga, des exercices de respiration, enfin la sophrologie, toutes ces choses-là? Enfin, essaye de voir un petit peu, toi, des médecines douces, enfin, des huiles essentielles, de l'homéopathie, tout ça, ce qui peut t'aider à gérer ton stress. Et c'est pareil, on essaye d'y penser avant la période, avant le mois de juin. Voilà. Et puis le brevet aussi, le dernier point, c'est justement, j'en parlais puisque c'était la vidéo dont je parlais, il va falloir préparer l'oral, ce fameux oral du brevet. Donc voilà, ça c'était tout ce qui concernait le brevet. Après, pour le stage, eh ben, il va falloir trouver un stage, donc un stage de découverte en entreprise. Donc ce stage, c'est sûr que dans l'idéal, le mieux, ce serait de trouver un stage en lien avec alors peut-être un métier ou en tout cas un domaine qui te plaît, que tu as envie de découvrir plus, qui pour l'instant semble t'intéresser et voilà, que tu auras envie de découvrir, hein. Alors, c'est pas parce que tu vas faire ton stage dans un dôme, dans un métier particulier que ça te conditionne à y passer, enfin faire tes études ou à y passer toute ta vie. Donc plus tu vas t'y prendre tôt dans l'année, plus tu auras le temps de réfléchir à tout ça et d'aller vraiment chercher quelque chose qui peut t'apporter, hein, parce que le stage avant tout, même si voilà, tu veux faire des études de droit mais que tu trouves un stage dans une boucherie, c'est pas grave du tout, hein. L'important, l'intérêt du stage, c'est de te faire découvrir le milieu de professionnel. Là, tu n'es plus élève, tu vois comment ça se passe, la vie dans une entreprise, une administration, enfin quelque chose comme ça. Voilà, alors en parlant d'administration, ça me fait penser que si jamais tu as un an d'avance, tu n'auras donc pas 14 ans et dans ce cas-là, tu vas pouvoir être accueilli que dans les administrations et pas dans les entreprises privées. C'est bon à savoir. Donc une fois que tu as une petite idée de ce que tu as envie de découvrir, hein, qui peut être en lien avec tes envies pour ton orientation ou pas du tout, mais voilà, tu te dis tiens, je profiterai bien de mon année de troisième, ben, pour découvrir la boucherie par exemple, voilà, il va falloir que tu trouves un endroit qui peut t'accueillir. Alors si tes parents peuvent t'aider à chercher cet endroit, ben, ce sera vraiment plus simple pour toi. Enfin, tu auras moins de pression, moins de responsabilité. Maintenant, si ce n'est pas possible pour tes parents, tu peux aussi demander au collège, enfin aux profs, etc., qui te donne un coup de main pour trouver ce qu'on appelle ton lieu de stage. Alors, essaye de repérer, on va garder l'exemple de la boucherie. Voilà, imagine tu vas aller en boucherie, essaye de trouver plusieurs endroits où tu peux aller, des endroits qui seraient susceptibles de t'accueillir, pas trop loin de chez toi, ou alors trouver quelqu'un qui va pouvoir t'emmener dans ce lieu de stage, hein, parce qu'il va falloir y aller tous les jours pendant une semaine, donc tu vas pas faire 30 km en stop ou en vélo ou je ne sais quoi. Voilà. Et une fois que tu as trouvé différents endroits, eh bien, tu vas leur envoyer ou bien une lettre de motivation, ou bien tu vas aller les rencontrer directement, ou alors, enfin, le cas encore le plus facile, c'est quand c'est une connaissance, enfin, par exemple, une connaissance de tes parents ou de quelqu'un. Là, en général, tu n'as pas besoin de tout ça, donc ça facilite les choses. Donc, tout ça, c'est avant le stage, hein, choix de la thématique, choix du lieu de stage, envoyer une lettre de motivation, aller repérer l'endroit, etc. Après, tu vas voir au collège, pardon, ils vont te donner une convention qu'il faudra faire remplir par l'entreprise qui sera prête à t'accueillir. Et ensuite, pendant ton stage, il va falloir prendre des notes, t'organiser pour préparer ton compte-rendu de stage. Et alors, dans certains collèges, ça se fait pas partout aussi, tu peux avoir une épreuve orale de présentation du rapport de stage. Bref, voilà, sur le stage, comme sur le brevet, ça fait beaucoup de choses à penser auxquelles il va falloir penser tout au long de l'année. Alors moi, pour ça, pour s'organiser sur une année, j'ai découvert une application que je trouve géniale qui s'appelle Trello. Je ne sais pas si tu connais, alors je vais te montrer. Elle existe sur le téléphone. Voilà, elle existe sur le téléphone, donc je te ferai une capture d'écran, hein, et elle permet de... et sur l'ordinateur. Alors, je te montre rapidement. Tu vois, j'ai préparé un petit tableau où j'ai mis une colonne par mois. Alors, septembre, octobre, novembre, donc avant un petit mode d'emploi et puis avant la rentrée, voilà. Et on va comme ça jusqu'au mois de juin, même après, puisque au mois de septembre, tu as, tu le sais sans doute, la cérémonie de remise des diplômes du brevet. Donc, j'ai tout organisé, tout ce à quoi j'avais pensé, tout ce qu'il y avait à faire sur l'année. Et comme ça, tu vas pouvoir te repérer au fur et à mesure, savoir, voilà, si tu es au mois de septembre, alors au mois de septembre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ou bah tiens, on va prendre plutôt, on va prendre le mois de novembre.
Voilà. Alors, pour le mois de novembre, j'ai mis visiter les lieux de stage, s'inscrire au brevet, assurer pour le contrôle continu, continuer à afficher les cours et faire des quiz pour vérifier ses connaissances. Alors, je vais me dire, et à quoi ça sert tout ça? Eh bien, ça sert que à chaque fois, tu vois, quand tu cliques sur une carte, tu as en dessous, tu peux mettre des, comment ça s'appelle, des documents, des pièces jointes, des documents ou bien des liens sur d'autres sites que tu trouves sur Internet. Donc, par exemple, moi, je t'ai mis un lien vers un modèle de lettres à télécharger ou vers la vidéo de la chaîne Anti-Sèche que tu connais peut-être sur comment trouver un lieu de stage. Alors, tu vois, après aussi, moi, j'ai mis un code couleur que je t'explique au début. Voilà, il est là. Donc, tout ce qui est matériel en violet, tout ce qui est orientation en jaune, contrôle continu en bleu et stage en vert. Donc, ça permet de s'y retrouver. Voilà, ça, c'est mon tableau que moi, j'ai fait. Alors, si t'intéresse, je te mets le lien de la page de vente en dessous dans les descriptifs. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit qu'en fait, sur Internet, sur YouTube et puis sur le net, quoi, on trouvait pas mal de choses. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas tout rassemblé comme ça. Donc, moi, l'idée, si j'avais un peu plus de connaissances en informatique, j'aurais pu créer une nouvelle application. Mais ça, c'est pas encore pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait avec un outil que je connaissais, avec Trello. Et l'idée, c'est que tu aies sous la main tout ce qu'il te faut pour organiser ton année. Parce que si tu as suivi un petit peu ce que je viens de dire, les trois maîtres mots d'une année de troisième réussie, ça va être l'anticipation, l'organisation et la régularité. Ça, c'est les choses importantes. Si tu es au clair sur ces trois points-là, si tu arrives à avoir suffisamment de recul pour anticiper, te dire « ouais, le brevet, c'est au mois de juin, mais avant, il va falloir faire ça, 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 ça. » Si tu arrives suffisamment anticipé pour te dire « le stage, c'est au mois de janvier, au mois de février, mais avant, il va falloir faire ça, 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 et après, il va falloir faire ça, 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 ça. » Ton année de troisième, elle va se passer sur des roulettes et tu pourras très bien avoir le brevet avec mention « très bien ». Comme l'ont eu mes deux enfants. Voilà. Donc, on reprend sur... Donc, je te montre un petit peu plus l'idée. Enfin, voilà. Là, je te montre très rapidement. Je te l'ai dit, si ça t'intéresse, ce tableau Trello, je te mets le lien de la page de vente en dessous. Et je te donnerai le lien donc pour accéder à mon tableau. Et avec plein de petites vidéos qui vont t'expliquer ce que tu peux faire, ce que tu peux rajouter. Enfin, voilà. Du vraiment pas à pas pour que ce soit simple pour toi. Alors, voilà. Rechercher. Tu veux rechercher, par exemple, tout ce qui concerne le stage. Voilà, comme on vient d'en parler, tu choisis ici et hop, tu te retrouves qu'avec les petites cartes qui concernent le stage. Donc, de la même manière, si tu veux chercher tout ce qui concerne le brevet, eh ben voilà, tu l'as ici. Donc, ça, c'est une des premières choses. Donc, je t'ai dit, donc tu peux rajouter des images, rajouter des liens. Après, alors, le but, ce qui est sympa aussi, c'est que quand tu as fait quelque chose, par exemple, voilà, ton rapport de stage, il est fini. Eh ben tu vas pouvoir prendre la carte, la déplacer. Et donc, moi, je t'ai mis une colonne à la fin « fait » et tu la mets dans la colonne « fait », par exemple. Donc, ça, c'est mon... Ah oui, tiens, j'ai mis ça aussi. Tu peux mettre aussi un petit picto comme ça, voilà, que tu peux supprimer ou pas. Enfin, voilà, on va en rajouter un, par exemple, ici. Si t'es... Ou au lieu de déplacer les cartes, par exemple, acheter les fournitures. Voilà, ça y est, c'est fait. Stickers, tu dis, hop, acheter les fournitures, c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rendez-vous médicaux, c'est fait. Réviser le programme de quatrième, j'ai pas envie, je mets ça. Enfin voilà, tu peux t'amuser avec ça, enfin l'arranger comme tu veux. Donc l'idée, moi je te donne le mien que tu vas pas pouvoir modifier parce que en fait c'est quelque chose où normalement on peut travailler à plusieurs ensemble dessus. Donc là tu vas pas pouvoir le modifier, tu vas le copier et après le tien tu en feras ce que tu veux. Tu peux le modifier comme tu veux. Donc je t'ai mis là des stickers. Si tu as envie de mettre quelque chose plutôt en haut comme ici, tu peux. Si tu veux supprimer une carte parce que ça te concerne pas, ça ne t'intéresse pas, tu peux. Si tu vois, moi j'ai mis le stage en janvier, si toi dans ton école vous le faites en février, tu peux déplacer. Enfin voilà, ça te permet d'organiser ton année comme tu veux. C'était ça pour moi qui me semblait vraiment important. Je le dis et je le redis encore une fois, c'est d'avoir tout sous la main. Donc, on a parlé du brevet, du stage. Alors, justement, je parlais un petit peu des fournitures. Donc là, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi en septembre, l'idée.
En septembre, voilà, tu vas peut-être être assommé d'informations parce que tes profs vont donner toutes les informations en septembre, mais tu vas pas être assommé par le boulot. Donc commence par prendre des bonnes habitudes tout de suite. Hein. Donc bien, alors réussir son année de troisième, ça passe par bien préparer son année de troisième. Donc ça veut dire, ben, va falloir peut-être revoir le programme de quatrième si tu l'as pas trop fait pendant les vacances, hein, t'y remettre un petit peu régulièrement. Alors pour ça, moi j'aime beaucoup la collection l'année de quatrième par exemple, hein, pour le coup, et les cahiers chouettes. Alors je te mets les liens dans la barre d'infos et puis aussi sur mon blog, hein, parce que c'est comme toujours, toutes mes vidéos à chaque fois, elles sont accompagnées d'un article sur le blog où tu retrouves tous ces éléments. Et donc il y a le lien si tu veux commander directement ces cahiers. Voilà, donc j'en étais où? Donc les cahiers, les remises à niveau... revoir le programme de quatrième, et tu peux avoir aussi besoin d'une remise à niveau particulière dans une matière. Alors ça, c'est pareil, il n'y a pas de honte, hein. Ça arrive, hein. On peut pour X raisons avoir perdu le fil un petit peu dans une matière. Moi, c'est le cas d'un jeune que j'ai aidé l'année dernière, enfin l'année dernière il était en seconde, l'année d'avant en troisième, donc je l'ai aidé les deux années, troisième, seconde, voilà. Il a été un petit peu perdu en maths, complètement perdu en maths. Donc, on s'est fait une remise à niveau à partir de la mi-troisième. Alors déjà, j'ai envie de dire, bah, c'était pas trop tard, hein, parce que bon, il a quand même réussi son brevet, mais il a bossé dur, il a carburé. Donc, je pense que si tu peux t'y mettre un petit peu avant, tu vois, si tu as des révisions, une remise à niveau à faire, faut t'y mettre avant. Hein. Profite par exemple des vacances de la Toussaint, voilà, pour t'y remettre. Et tout ça pour te dire que quand j'ai repris les bases avec lui, enfin, quand j'ai repris son programme de quatrième et troisième en maths avec lui, je me suis rendu compte qu'il y avait des bases qu'il n'avait vraiment pas. Donc, on n'a pas hésité. On a acheté un cahier chouette de maths cinquième et on a revu les bases. Et d'un seul coup, tout s'est vraiment beaucoup plus éclairé et ça a été beaucoup plus limpide pour lui. Hein. Voilà. Donc j'ai parlé, voilà, et puis des fournitures justement, hein, profite de ce début d'année pour te remettre à jour des fournitures, hein, entasse pas plein de stylos abîmés, plein de bouts de gomme, plein de machins, enfin, fais-toi un truc propre, un truc zen, un truc qui donne envie de travailler, que ce soit au niveau des fournitures ou de ton espace de travail, hein. Je te mets le lien aussi de vidéos où j'explique tout ça, parce que ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'avoir un espace de travail bien organisé, bien rangé, mais aussi bien décoré, hein, parce que qui va nous donner envie d'y aller. Voilà, moi, alors, les jeunes que je vais aider chez eux, quand j'arrive et que, bon, c'est un peu le bazar ou c'est pas agréable, ben, ça me donne pas envie d'y aller, donc j'imagine qu'eux non plus. Alors, profite de ce début d'année aussi, là, de bien commencer ton année pour prendre l'habitude de lire. Alors, pourquoi lire? Parce que, ben, d'abord, plus on lit vite. Moi, c'est difficile de lire. Voilà, ça t'entraîne ce qu'on appelle au niveau vraiment déchiffrage. Après, ça permet d'améliorer l'orthographe aussi. Ça te permet aussi, l'air de rien, de manière un petit peu, tu t'en rends pas compte, mais d'enregistrer des tournures de phrases, des mots de vocabulaire, enfin des choses. Alors, que tu vas lire une fois, tu vas pas t'en rappeler, mais si tu les lis une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, hop, ton cerveau va s'en rappeler. Et puis, au moment du brevet, ça pourrait être bien utile d'avoir quelques mots de liaison, quelques tournures de phrases ou du vocabulaire que tu auras emmagasiné dans ton cerveau. De la même manière, essaye de te tenir au courant des actualités aussi. Alors, il y a toujours le journal télévisé à la télé. Moi, ça fait très très longtemps que je ne regarde plus. Tu peux regarder ça aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, t'abonner aux newsletters. Moi, je suis abonnée à comment ça s'appelle, France Info. Voilà, c'est comme ça que j'ai les informations. Voilà, essaye de te tenir au courant. C'est toujours pas mal dans un devoir, alors que ça peut être de français, d'histoire géo ou même à l'oral, de faire un parallèle avec l'actualité, à condition que ce soit dans le sujet. Hein. Tu vas pas sortir un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Alors, le dernier conseil là sur cette partie bien démarrer l'année, bien préparer son année de troisième, c'est à un moment donné, pose-toi un petit peu. Tu vois, d'ailleurs, là, je me rends compte que j'étais assez vite, donc je vais te le dire vraiment plus tranquillement. Essaye de te poser un petit peu et te demander, à part stresser, voilà, sur ton année, à part avoir peur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et oui, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça veut dire, bah, tu aimes bien bah, réussir mon année, avoir le brevet. Non, mais sérieusement, est-ce que tu pars pour avoir ton brevet avec mention?
Mention très bien, bien, assez bien. Est-ce que tu dis, oh non, moi, du moment que je limite la casse et puis que j'ai mon brevet comme ça, ça va bien. Est-ce que tu pars dans l'idée de dire, comme le jeune dont je parlais tout à l'heure, bon, j'ai eu des difficultés en maths, en français ou en anglais ou je ne sais où, mais là, cette année, j'ai vraiment envie de m'arracher et de bosser pour les dépasser et de repartir sur de bonnes bases. Voilà, essaye de voir un petit peu ce que tu te fixes comme objectif au niveau du brevet, au niveau de tes moyennes de chaque trimestre, au niveau de dire, bon, par exemple, enfin voilà, je suis très très faible en anglais, je vais vraiment mettre le paquet là-dessus. Ou alors tu te dis, oh non, tant pis, je laisse tomber, puis je vais compenser avec le reste. Enfin, voilà, ça dépend un petit peu de ce que tu veux faire après ton orientation par la suite. Hein. Alors, en fonction de l'orientation, est-ce que tu vas préparer un CAP, un bac pro, un bac général ou technologique? Enfin, tu n'auras peut-être pas besoin des mêmes matières. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même stratégique. Et je pense qu'il faut s'y pencher un petit moment en début d'année. Voilà, vraiment se poser la question. Mais au final, qu'est-ce que je veux, hein? Ça ne sert à rien de foncer la tête dans le guidon et puis de cravacher, enfin bosser, puis se dire après, ouais, de toute façon, je m'en fiche. Enfin, voilà. Plus on est clair, plus on est zen et plus on réussit facilement. Alors, l'autre point important, c'est le contrôle continu. Alors, sur mon tableau Trello, il apparaît en bleu. Voilà. Donc, tu vois, à chaque fois que je t'ai mis assuré pour le contrôle continu, avec des liens vers des chaînes et des sites qui te proposent des vidéos avec du contenu en maths, du contenu en histoire, etc. Puisque moi, je t'aide à t'organiser, mais je ne parle pas du tout du contenu. Voilà, je t'ai mis aussi des liens vers des quiz pour pouvoir t'entraîner à répondre, enfin voilà, pour réviser tes sujets. Bon, tu commences à voir un petit peu comment organiser l'année, hein. Donc on a dit en début d'année, ben, on met en place une organisation qui va bien, on se remet à niveau, on fait des choix, etc. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le brevet tout au long de l'année, le contrôle continu, le stage et il nous reste aussi donc l'orientation. Donc tu sais que depuis 2 ans déjà, voilà, la réforme du bac est en cours et qu'il y a beaucoup de changements au niveau de l'orientation. Mais dans tous les cas, ce qui ne change pas, c'est qu'il va falloir que tu choisisses entre aller vers une voie professionnelle, donc c'est-à-dire préparer un CAP ou un bac professionnel, ou bien aller vers une voie générale et technologique. Alors là, c'est pareil. Sur mon tableau, Trello, je t'ai mis plein de liens vers l'ONICEP, etc., qui expliquent tout ça pour faire tes choix tranquillement. Donc l'orientation, ça va aussi se décliner tout au long de l'année, hein. Donc au premier trimestre, il va falloir surtout te renseigner donc sur ces différentes filières dont je viens de parler. Tu vas avoir normalement aussi un entretien avec ton prof principal et tes parents. Et ensuite, à partir de février, ça va vraiment être l'heure des choix. Donc, il est possible que dans ton collège, ils organisent un carrefour des métiers ou que tu ailles, que ton collège t'emmène à un carrefour des métiers sur ta ville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ça va être le moment des portes ouvertes des lycées. Donc, ça aussi, note-le bien dans ton agenda. Essaye de te renseigner sur les dates des portes ouvertes et n'hésite pas à aller faire un tour. Je trouve que ça donne vraiment une bonne idée de ce qui nous attend. Enfin, je vois par exemple, moi c'était pas le cas de mes enfants, mais je connais des jeunes qui du coup se faisaient une idée d'un lycée, puis quand ils sont allés le visiter, n'ont plus du tout envie d'y aller. Donc une fois que tu as fait ton premier choix, ben, va falloir noter dans la fiche de dialogue au moment du conseil de classe du deuxième trimestre. Là, ensuite, le conseil de classe va te répondre, va te faire une proposition, et ce sera réétudié au troisième trimestre. Donc on voit aussi que là, l'orientation, on en parle tout au long de l'année. Voilà. Alors, une autre chose importante, si tu as des troubles des apprentissages, donc je pense à tout ce qui est dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, TDAH, etc. N'oublie pas de faire tes demandes d'aménagement pour le brevet là, tout de suite, en début d'année, avant de t'inscrire, parce qu'il faudra mettre la notification, si ça a été accordé, avec le dossier d'inscription. Donc, comme je te l'ai dit, tout ce que je viens de te dire là, j'ai été très vite, hein, j'ai survolé, voilà, mais tu retrouves tout ça organisé sur l'année dans le tableau Trello. Et là, je vais finir par donner quelques conseils, hein, pratiques pour, à côté de tous ces grands chapitres, pour réussir au mieux ton année et t'assurer un contrôle continu au top et un examen final de brevet au top. Donc en cours, essaye d'écouter au maximum, hein. Plus tu écouteras en cours, moins tu auras de travail à la maison. Habitue-toi aussi à prendre des notes.
Ça va te préparer ça pas mal au lycée. Tu peux aussi profiter de l'accompagnement personnalisé. On parlait tout à l'heure d'une remise à niveau. Si tu en as besoin, n'hésite pas à l'utiliser. Et puis essaye cette année de troisième de pas trop te surcharger avec des clubs, des activités, enfin le midi. Essaye de t'assurer des pauses pour être encore en forme le soir quand tu rentres et te mettre à réviser un petit peu. Donc, ce qui nous amène au conseil pour le travail personnel. Donc, essaye de t'y mettre régulièrement, tous les soirs, ne serait-ce que ranger ton cartable, le vider, re-ranger tes cours, vérifier. Voilà, alors, c'est compliqué d'apprendre ses cours le soir au fur et à mesure, mais au moins les relire. Enfin, si on n'a pas eu le temps de souligner, si on avait mis, je ne sais pas quoi, du blanc en correcteur et qu'on a oublié de réécrire un mot. Enfin, voilà, de s'assurer au moins tous les soirs que les cours soient propres, bien rangés, bien organisés. Ça, c'est super important. Après, on en a parlé aussi, tout au long de l'année, pense à faire des fiches de révision. Alors, tu peux faire des fiches, il existe aussi d'autres façons de réviser. Donc, on a parlé des applications. Il existe aussi nous, moi, j'avais fait ça, alors plus avec une plus jeune qui est en cinquième. Je serais curieuse en troisième de savoir s'il y en a qui font ça. Les labbooks, je ne sais pas si tu connais, ça peut être une façon sympa de réviser. Il y a aussi tout ce qui est carnet de vocabulaire et flashcards. Je pense notamment à tout ce qui est vocabulaire de langue. Donc voilà, en fait, il existe plein d'autres techniques. Je vais mettre aussi dans le tableau Trello pour réviser autrement que en faisant des courses, des fiches, pardon. Donc le soir, on a dit, on s'y met un petit peu, on tient son cahier à jour, on essaye de se fixer des mini-objectifs. Hein. Si on se dit, par exemple, s'il dit, tiens, ce soir, j'apprends 5 mots, enfin voilà, tu as une liste de vocabulaire à apprendre pour la semaine d'après, et ben, au lieu d'attendre le dernier moment et tout apprendre d'un seul coup, tous les soirs, tu te dis, j'apprends 5 mots. Et ben, ça va te sembler beaucoup plus facile, beaucoup plus réalisable. Tu vas y arriver et quand on y arrive, qu'est-ce que ça se passe? Eh bien, on éprouve du plaisir qui nous donne envie de continuer à apprendre. Hein. Voilà, donc des petits défis, on peut se mettre des petits défis, des mini-objectifs, hein, tout ce qui va nous permettre d'y arriver facilement. Alors ça aussi, je ne vais pas développer ici, hein, parce que les défis, les mini-étapes, les mini-objectifs, pardon, tout ça, ça vaut bien une vidéo à elle toute seule. Hein. Donc ma chaîne, je le rappelle, est en général plus destinée pour les parents qui veulent aider leurs enfants, mais je peux avoir aussi plein d'astuces, d'idées qui t'intéressent toi, donc n'hésite pas à t'abonner. Bon, et du coup, j'ai pas parlé des annales, des fameuses annales. Alors, quand est-ce qu'on s'y met? Eh bien, moi, je pense que ça sert à rien de s'y mettre trop tôt, parce que si on s'y met trop tôt, on n'aura pas vu tout le programme qu'il y a dans un sujet type, et puis on va faire qu'un exercice, puis l'autre, puis ça va pas être vraiment représentatif de ce que c'est qu'une épreuve de maths ou une épreuve de français qui dure, je sais plus, 3 heures, je crois. Hein. Donc là, il vaut mieux attendre d'avoir fait... disons à partir des vacances de Pâques par exemple, d'avoir fait suffisamment de chapitres du programme pour s'y mettre et on se met vraiment en condition, c'est-à-dire on révise tout avant, après on prend plus de fiches, plus rien et on s'y met dans ces conditions aussi longtemps hein, parce que c'est à ça aussi qu'il faut s'habituer, c'est à cette concentration qui n'est pas la même quand on travaille une demi-heure ou quand on travaille 3 heures de suite. Bon, j'espère qu'avec tout ça, je t'ai pas fait peur. J'ai l'impression d'avoir survolé, en fait, hein, d'être passé assez rapidement sur tout, mais je trouve qu'en fait, chaque thème aurait besoin d'une vidéo à lui tout seul. Hein. Donc, mon idée, c'était de te dire un petit peu tout ce qui t'attend pour cette année de troisième. Hein. Donc, on résume. En premier, bien préparer son année. Donc, je reviens pas là-dessus. Juste que je pourrais rajouter aussi, c'est profite du début d'année pour reprendre un rythme. Hein. Vraiment un bon rythme de sommeil hein, parce que en début d'année tu peux peut-être être encore un peu sur le rythme vacances, continuer à te coucher tard, etc. Mais attention, la fatigue risque de s'accumuler avec l'hiver et le stress, etc. Et tu risques d'arriver à la fin de l'année pour le brevet complètement cassé. Donc reprends bien un bon rythme. Essaye de voir un petit peu de combien d'heures de sommeil tu as besoin. Voilà, essaye aussi de trouver ton rythme de travail. Est-ce que tu travailles mieux le matin, le soir, combien de temps, avec quelle méthode hein? J'ai parlé de différentes techniques pour apprendre. Donc, essaye de voir tout ce qui te apprend à te connaître. Hein? Si tu veux continuer tes études, c'est super important de savoir comment tu fonctionnes et de savoir à quel moment tu travailles le mieux et ce qui va t'aider à travailler. Donc, tout ça, c'est bien démarrer son année, bien préparer son année. Ensuite, donc on a tout ce qui concerne le stage, tout ce qui concerne le contrôle continu, tout ce qui concerne le brevet et tout ce qui concerne l'orientation. Donc voilà pour moi les 5 points clés de l'année
de troisième qu'il faut organiser les uns avec les autres. Donc, je te le redis, si tu es intéressé par mon tableau Trello, je te mets le lien de la page de vente juste en dessous dans la barre de description. Après, tu peux toi aussi te débrouiller pour fabriquer le tien, hein, aller sur cette application Trello ou t'organiser autrement, papier crayon par exemple. Donc, si tu as trouvé une organisation qui te va bien, eh bien, n'hésite pas à nous la partager, à nous en parler, voilà. Ah oui, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que si tu acquiers donc mon tableau Trello là, après je suis là, hein, c'est pas que le tableau et basta, je suis là toute l'année pour répondre à tes questions, enfin voilà, pour t'aiguiller, enfin tout au long de l'année aussi, au fur et à mesure, enfin si j'ai des infos particulières ou si je trouve des sources intéressantes, et eh ben je vous les mettrai, je vous mettrai les liens, hein, tous ceux qui y auront ce tableau Trello réussir son année de troisième. Voilà, on peut se créer aussi un petit espace membre. Alors ça, je sais pas encore comment ce sera, un espace membre sur la boutique en ligne ou plutôt un petit groupe Facebook privé. On verra, mais voilà, un petit endroit où on peut discuter, où vous pouvez discuter entre vous, enfin vous dire comment ça se passe les uns et les autres, et moi je peux vous apporter mes petits conseils. Voilà, ça c'était pour les jeunes. Maintenant pour les parents, je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide aider son enfant à apprendre et réussir, qui reprend les 12 clés indispensables pour apprendre et réussir. Hein. Voilà, vous trouvez aussi le lien dans la barre d'infos. Et puis je parlais de groupe Facebook, j'en ai créé un aussi pour les parents, toujours qui veulent aider leurs enfants à apprendre et réussir. Hein. Ça, c'est un leitmotiv chez moi, une répétition. Voilà, donc vous avez aussi le lien dans la barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle année. À toi, une très belle année de troisième. Et aux parents qui ont regardé, une très belle année auprès de vos enfants. Bye !